Au nom de la Trinité, je disais tantôt du Congo, papa qui se loquait le père. Papa Dialouga n'a qu'à gagner le fils. Et sa divinité, papa Dialouga n'a qu'à gagner le fils. On a passé le passé qui m'a gagné. Nous nous sommes retrouvés ce soir, ici à la paroisse de la lumière de l'église en Europe, suite aux événements du 4 octobre cette même année. Notre père, notre grand frère, nous avait laissé. Ngudia Longo, Kakiawanga, était parti en Kamba, nous est revenu. Donc je veux demander à celui qui nous a reçu ici, le révérend pasteur Jean-Jacques Bakula, de prendre le programme par rapport à cette circonstance. Donc je prie. Le responsable de la paroisse, enfin celui qui a su l'intérim, je crois, pour l'instant, parce qu'il est l'évangéliste. C'est le numéro 1 à Mazakimbangu, donc à Brazzaville. Lui, le numéro 2. Donc l'évangéliste va pouvoir prendre la parole pour la suite du programme. Je vais ici terminer. Au nom de Papa Kisolo Kelo Kelo, Papa Dialungana, Papa Dengene Goutima, ça divise pas ce mot. Son exception, son papa de quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme vous l'avez entendu, évidemment nous nous retrouvons ici ce soir. En français, on dit « à quelque chose, malheur est bon ». Même dans la douleur, on peut se retrouver et recouvrer la joie. Nous réconforte assurément. Alors je souhaitais déjà la bienvenue à tous ceux qui, par amour, sont venus partager ces instants avec les familles éprouvées que nous sommes venus soutenir en ces lieux. Je n'aurai pas grand-chose à dire, dans la mesure où, après donc la prière de minuit, le pasteur Kwanzabi passera pour essayer de nous étayer au sujet donc de ce qui nous regroupe ici tous. Alors, en l'occurrence, en ce net moment, nous arrivons à l'heure de minuit, et l'heure de minuit, pour les chrétiens qui m'enregistrent, nous sommes tout simplement pour tous les chrétiens, et une heure bénéfique pour la prière. C'est donc ainsi que je vais vous inviter à la prière. Prions donc. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, gloire et honneur, car tu témoignes encore aujourd'hui de ton amour qui est à chaque instant incessamment grand vis-à-vis de nous, malgré le fait évidemment que nous ne marchons pas selon ta volonté. Tu es un Dieu d'amour. Et nous qui sommes ici tous réunis, nous n'avons pas d'autre guide que toi. Nous n'avons pas d'autre donateur que toi. Nous n'avons pas d'autre protecteur que toi. Nous te demandons donc, Père éternel,
de pouvoir vous protéger. Seigneur, voici que nous nous sommes rassemblés ici. Ce n'est point pour vendre ni acheter quoi que ce soit, mais c'est tout simplement parce que nous sommes venus réconforter nos frères et sœurs qui, il y a quelques jours, ont été éprouvés. Éprouvés comment? Par la disparition d'un des leurs, par la disparition d'un des nôtres. Que tu as bien voulu accueillir dans ta maison. Seigneur, que tu sois donc glorifié. Pour nous qui sommes ici, Seigneur, aujourd'hui, nous ne te demandons qu'une seule chose, que ta volonté se fasse sur nous tous ici, mais nous osons exiger, Seigneur, que cette volonté nous soit à tous ici favorable. C'est donc ainsi que nous te demandons le réconfort. C'est donc ainsi que nous te demandons de faire pleuvoir ici sur toute l'assemblée réunie ton Saint-Esprit, afin que celui-ci nous lave de tout opprobre et afin que celui-ci nous serve de lumière pour essayer de baliser nos chemins de tous les jours. Que te demander de plus, puisque avant même que nous ayons ouvert la bouche pour demander, toi, tu connais nos besoins. Ainsi donc, Père éternel, comme nous le disions, réconforte chacun de nous, donne à chacun de nous ce qu'il lui sied, afin de faire que sa vie lui soit légère, Père éternel, et sous ta guidance. Nous nous remettons donc à toi, aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors donc, après cette prière, nous allons demander au révérend pasteur Poisardi de venir nous voir passer pour eux qui le puissent, évidemment. De rappeler à lui, son serviteur, le révérend pasteur Kina, depuis le 4 octobre dans les circonstances que nous connaissons. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa servante, Maman Routina Marthe, maman de Maman Loukombo, épouse de Papa Philippe. Deux circonstances nous réunissent en cette soirée. Pour le premier cas, la famille Kina, ainsi que notre maman devant, présente des remerciements à tout le monde, à nous tous, à toute l'Église, toutes les paroisses confondues, pour notre assistance suite au malheur qui a frappé leur famille, notre famille, parce qu'il était un parmi nous dans l'Église, présente des remerciements pour l'assistance matérielle, l'assistance financière, l'assistance morale, l'assistance spirituelle que nous avons eu à accorder, à apporter à leur égard. Ils ont ramené les corps au pays, l'enterrement a eu lieu en Kamba, et le nécessaire a été fait conformément aux us et coutumes, c'est-à-dire pièces tombales et tout le nécessaire. La famille a fait le nécessaire concernant la tradition, l'Église a fait le nécessaire concernant nos habitudes dans notre Église. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une manière de pouvoir lui apporter notre assistance, mais de leur côté, c'est une manière de nous dire merci. Chers papas, chers mamans, nous vous disons merci de nous retrouver nombreux dans cette circonstance. Nous sommes là, il est minuit, nous sommes là jusqu'à demain matin, mais il se fera que quelqu'un trouve qu'une heure après, 30 minutes après, 2 heures après, 3 heures après, et fatigué, il veut rentrer. Nous ne l'empêcherons pas, nous souhaitons tout simplement que Dieu puisse le protéger dans son chemin de retour. Nous reprenons le bateau de pèlerin, comme nous avons toujours l'habitude, et l'Église est toujours en marche, nous y compris. Concernant le deuxième cas,
nous avons été tous au courant du décès de la maman de Maman Lukombo. Il n'y a pas eu de veillée organisée parce qu'elle a préféré descendre d'abord au pays, assurer l'enterrement de notre maman. Elle est revenue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ces circonstances pour lui apporter notre assistance et témoigner notre amour envers elle. Mais elle, sa famille, son mari et toute la famille nous disent merci également pour notre présence, pour notre assistance, pour toutes nos condoléances que nous avons eues à présenter. Pareil, dans les mêmes circonstances, nous sommes là jusqu'à l'aube. À l'heure qui convient à tout un chacun, nous rentrerons et Dieu sera avec nous. Atata, ma maman, Bandeko. Tu sais que nous sommes ici, nous sommes tous les gens qui sont là. La circonstance où sous tête, il y a un piqué de Vandaka. Quand nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là parce que le corps est allé dans le monde. Nous sommes là, nous sommes là, ramener le corps. Mais la soukarango, toya comme ma sango, poto la cabaninga, n'engue le gelaki. Né à moto, ça la délo. C'est-à-dire en réalité, ça m'a dit à vous aider, mais ça au panda sango. Et c'est la dernière séance pour toutes ces circonstances autour du motard à Awa. Nayango, famille, papa qui n'a pas maman, n'a du saut, patata, ma maman, bana, balégi. Parce que merci mingi na biso bantu ndenge tusungaki bango na molimo ndenge tusungaki bango na ba moyen ndenge tusungaki bango na bandenge nyoso parce que biso merci mingi na ngai na yo na moko moko kati na biso na oye tali mama Lukombo ye pe akendeki basi ba kundi mama bazongi toza na famille longo awa. Je vous remercie, merci merci, il a des problèmes, mais il y a des gens qui ont été mis en place. Voilà les circonstances où il y a des gens qui ont été. Et une dernière fois, merci. J'en ai terminé ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
parti. Hein. Bonjour. Ça va? Toujours gozangate.
Kinshasa. Bon, la Kinshasa. Kinshasa, oui, comment? Ça, papa? Oui, ça va. toi, je ne vais pas avec toi. Toi, tu te proposes sur ça. Attends, on va passer par là. Pardon. Merci papa. Numéro de téléphone. Oui, attends, je compte. Comme ça, tu m'envoies un message texte. Ouais. Moi, j'enregistre aussi le terrain. Ouais. 07. Attends un instant. Alors, 07 80 80 77 77 45 04. 45 04. Pas de jour, hein? Ok, ça me va. Ça m'entend. Merci beaucoup, Tom. Merci beaucoup. Je note ça. Tu envoies ça tout à l'heure. Okay. Tu as ma carte, non? Oui, j'ai mon numéro de Kinshasa avec. Mais envoie-moi un message comme ça, j'enregistre directement sur ça, mon téléphone. Ça marche, le suite. D'accord, ok. Papa. Ok, maman. Tu m'as quoi, hein? Mais diambou di sungi kan sugi sisi kasabe te quoi? Hein, maman? Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, maman, à bientôt. Moi, je voyage, je pars demain en Kamba. Ah oui, c'est ok, à bientôt. Ngudia Longo. Ah, bon voyage papa. Tu fais au guiding Ngudia. Pour te kakini pour maman et moi. Tu fais au guiding Ngudia. Merci maman.